Coucou les petits loulous! Ah bah on est mardi. Bim! Tu l'as pas vu arriver celle-là. Salut Hélène Ripley! Ça fait drôlement plaisir dis donc de te voir ici. Mais non, je déconne, c'était moi. Anton a pris un abonnement... 17e mois, Anton. Salut tout le monde, salut Harmony! Woofy, Anton, les larmes, salut. Salut les larmes, comment vas-tu? C'était pas mal en fait avec ça. En même temps, ça fait pas très Californie, ça fait plutôt Tennessee, ça, ces lunettes. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Levez la main. Bah, nous sommes raidés, les amis. À peine on commence, bim! Avec un groupe de deux. Parce qu'un groupe, ça commence à deux. Eh oui. Alors, en papier peint, j'ai mis Canard PC, parce que c'est chouette. Canard PC, encore dans vos petites boutiques et vos maisons de la presse. Pendant encore 15 jours, avec ce magnifique jeu Humankind en couverture. Les jeux de nos amis du studio Amplitude. Studio qui appartient à Sega, figurez-vous. Ils ont vraiment du goût, ces japonais. Un t-shirt Loriciel, Anton, mais ça va pas, t'as pas pris tes cachets. Attention. Bog, comment vas-tu? Qui c'est que j'ai oublié? J'ai oublié de dire merci à Botros. Je crois que c'est je l'ai plus sur l'écran, donc je sais plus comment tu t'appelles, pour ton abonnement, évidemment. Anton, pour ton abonnement, également. Et STI Frit pour ton raid. C'est drôlement sympa. Je sais pas si je le mérite. Salut Esquimon. Alors. Pardon. J'étais un petit peu en retard parce que je me lavais les mains. C'est important, ça fait partie des gestes barrières. Eh oui, coucou le chat. D'ailleurs, Monsieur Chat est là, il est juste derrière la paroi. Parce que ça fait un peu studio. Studio de radio ici, oui, il y a des cloisons vitrées, on se voit mais on s'entend pas, etc. Alors voilà, alors le téléphone, hop, en mode silencieux. Le casque, tata, mais c'est pas du tout ça que je voulais faire. Ah oui, c'était ça. Hop là. Aujourd'hui, nous allons jouer à Dishonored pour célébrer la sortie de Deathloop. Puisque c'est du même studio, mais avec 10 ans d'écart. Eh oui. 2012 pour Dishonored, 2021 pour Deathloop. Vous en êtes où au niveau du son du jeu? Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est trop fort? Salut Tonton Yo-Yo. Quelqu'un peut me dire si c'est trop fort, ou si c'est pas trop fort, ou si c'est pas assez fort. Le son est bon. Ah oui, la scène. Je me mets en gauche ou en droite, moi? Je me mets en droite, hein. Ouais. Oli, il est toujours là, tu sais, pour venir tirer les oreilles. Attendez, les gars, vous faites n'importe quoi, là. Tutut. Il a le micro, puis il a des petits cartons dans ses poches. Carton jaune. T'as oublié de changer de scène. Bien, alors, est-ce que vous savez où on en était? Non. Vous savez pas où on en était? Parce qu'en fait, vous faites que papoter pendant les parties. Comme ça, Oli, ouais, exactement. Mes choix ont des conséquences, me dit le jeu. Et devine quoi? Un, je sais. Deux, je m'en fous complètement. Il fallait... Salut Zuedo. Bon, attendez. On va se mettre un petit coin. On va réfléchir. On va réfléchir deux secondes. Là, il y a un empilement de caisses. Quoi?
Je les entends les gars, mais je sais pas où ils sont. Là, il y a des rats. Je suis en fufu, de toute façon, là. Ils peuvent pas me voir. Est-ce que... Mais... Je suis déjà passé par ici. Et oui, je suis déjà passé par... Ah, j'ai dû mourir, c'est ça? Est-ce que je passe par le haut du coup ou... C'est toujours un plaisir. Non, on est... Oh là là. À une époque, on n'avait pas besoin de ça pour éloigner la vermine. Non, on fait ça à la bonne franquette. On fait ça en mode même... Ouais. Et ils n'ont plus peur de rien. Ah, y'a un truc à récupérer. Je vais vous trouver. Bah vas-y, cherche. Un outil de câblage. Ça veut dire qu'il y a un truc à hacker dans le coin. Je vous trouverai. Je sais que vous êtes dans le coin. Ah oui, je viens de tuer ton copain. Course à Lara. Pas très sympa le gars. Moi je pars pas en week-end avec lui. Hein. Bim! Je sais pas ce que j'ai fait là. Ah, il y a un chien aussi. Et là-bas il y a des gars là. Il me reste combien de carreaux? 17. Il y a un gars qui comprend pas ce qui se passe là. Je pense que c'est un peu loin pour leur tirer dessus là, non? Carrément. Le chien, c'est fait. Oh non! Mais pourquoi... Il y a des fois, ce jeu, il fait un peu n'importe quoi. Bon, vous savez ce qu'on va faire. Vous savez ce que je vais faire. Vous savez ce que nous allons faire. On va y aller. Ah, on va attaquer frontal. Ah ouais, mais là, il y a un truc qui me tire dessus. C'est ça là. D'accord, ok. Alors attendez. Je passe par où là? Bah bah je suis mort. Trop de skill ton. J'espère qu'ils vont pas nous balancer super loin. Hein. Est-ce qu'on peut se cacher quelque part là? On peut passer par là ou pas? Donc on peut passer par là aussi, c'est quoi ça? Pièce. Merde. Ah oui.
Ah ah! Je suis maintenant équipé avec de la bobine de fil. Pourquoi autorise personnel only? Oh là là, je suis déjà passé par ici, ça sent le chaos. Oh ouais. Oh ouais, je suis déjà passé par ici. Ouais. Donc en fait, j'ai pas le choix, il faut vraiment que je passe par là où il y a tous les baddies. C'est pas grave. On va prendre un peu de hauteur. J'espère qu'il y a une fenêtre. Ces bruits bizarres là. Si, il y a des bruits bizarres là. Vous entendez ou pas? Des toilettes! Ah, je sais ce qui fait le bruit bizarre. Il y a une rune dans le coffre, mais on n'a pas le code. Et la dernière fois, je vous ai demandé le code et vous m'avez fait tourner en bourrique. C'est dessus, regarde, 451, c'est déjà mis. Mais non, Yukai, c'est pas... Non, il n'y a jamais rien dans les livres. Enfin, pas dans la vraie vie. Hein. Voilà, c'est un ouvrage sur la géographie et la culture morléienne. Ok. Il n'y a pas un papier qui traîne quelque part, mais non. Ah! Allez. On va ouvrir. Ça, on avait fait en face, hein. Ouais. Il n'y a pas de post-it. Même quand on prend de la hauteur, ouais. Ah. Là, il y avait des pièces. Bon, bah, je sais pas trop. On l'aura pas. La résidence des Typhons, c'est exactement ça. Ouais. On est pas mal là. Bien. Dans le tableau du bateau, si mon souvenir est bon. Bon là. C'est un peu tendax quand même. Pour descendre. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que... Allez. Le cours des rivières change au fil du temps. Ok. Et tous les ponts finissent un jour par s'effondrer. Il y a 1000 ans de cela, existait une autre ville ici même. Les habitants façonnaient des runes avec des os de baleine pour y inscrire ma marque. Les enfants en trouvent encore enfouis dans la vase. Ok. Anton Sokolov a longuement étudié mes runes, mais il ne possède pas tes talents. Okay. Seuls ceux qui sont choisis et qui portent ma marque peuvent accéder à leur secret. Du coup, on sait c'est une rune de quoi ? Olof pense qu'il existe des rituels pouvant me contraindre à apparaître ou devant non. Lui. Il fouille dans de vieux temples pandiciens et dans les sous-sols en ruine du quartier inondé. Il pratique des rituels abjects au-dessous de la vieille abbaye. Mais s'il veut vraiment me rencontrer, qu'il commence donc par susciter mon intérêt.
Ah oui, c'est vrai, les runes, c'est ce qu'on paye en fait. Je suis bête. Attendez, parce qu'il y a d'autres trucs là. Journal, troisième partie. Ok. The outsider works among us. Deux cent quatre-vingt-quatorze? Ok. On va y retourner, on va essayer. Parce que je suis plus dans le même bâtiment là. Il y a un côté satisfaisant quand l'eau est cool. Non, non, sois pas désolé, on va y aller. On va y aller. On était là. Hop là. On n'est pas super loin. Je crois que c'est là, hein. Alors tu dis 294. J'ai essayé de... Donc c'est pas 294. Alors quel tableau? Il y en a partout des tableaux. Le blanc dans le couloir. Ici, là? Ça va être un tableau solide. J'essaie encore ces deux-là. Merde. Désolé. Je tue elle, je ne sais pas. Peut-être, écoute. On va voir. Hein. 203. Pas 203. Alors 273. Je me rappelle plus la maison de qui. Et 473, on l'a déjà essayé, non? Des lingots! Et 100 pièces, un lingot. Alors, qu'est-ce qu'on a en. Non, c'est pas I, c'est quoi? C'est. C'est quoi pour l'inventaire? C'est pas I? C'est ça, ouais. Vous aurez pas mon code de carte bleue, d'accord? Bon, faut qu'on s'en aille là. Ça devient ridicule. Denis. Ça devient ridicule. Bon, on va les dézaguer un par un. J'aimais bien mon truc de là-haut là. Non, pas une arme à feu. On y va en fufu. On va en tuer 3-4.
donc toi, tu vas mourir ou quoi là? Alors là, il y a 1, 2, 3, 4 baddies. Plus la machine qui tire dessus là. Comment est-ce que je peux la désactiver cette machine déjà? Hey! Ah bah je suis mort. Et il se décale vachement vite sur le côté, lui. Hein. Ah bah je suis mort. Non, je suis pas mort. Alors c'est pas par là qu'il faut passer, c'est ça? C'est ce que le jeu est en train de me... C'est ce que le jeu est en train de me dire. Denis, passe par là. Passe pas par là. Donc nous sommes retournés dans la chambre. On a trouvé la rune. Pas de témoin, c'est discret. Effectivement. Est-ce qu'on peut passer par ailleurs? J'ai pas l'impression, hein. Est-ce que on pouvait passer? Est-ce qu'on pouvait faire le tour? Donc là, si... Attends. Est-ce qu'on peut passer par-dessous? Là, apparemment, il y a un truc. Là, on est en dessous, hein. C'est ça, hein. Bonjour, Manticore. Comment vas-tu? Donc là, c'est les badis, c'est là-haut. Pour l'instant, ils m'ont pas vu. Ça va très bien. Je paye ton père. Là, ça va être trop loin pour me téléporter, hein. Alors, il y a un truc qui m'a mangé dans l'eau. Ah, j'ai trop de santé. À partir du moment où je sais pas où est-ce qu'on désactive cette machine-là, ça devient compliqué. Parce que, du coup, je me fais tirer dessus. C'est pas là? Ah si, c'est là.
C'est un chien qui arrive. Je suis mort là. Le chien il va me sentir. Ah voilà. Je sais que vous êtes en coin. À moi, Laka. Prends ça. Il est là. Eh hey. On va tous mourir. Bon, là ça en fait 3. Non, 2 plus un chien. 2 chiens. Ah, les carreaux ça part vite hein. Je peux les récupérer ou pas? Je vais me faire tirer dessus, c'est ça? J'ai récupéré un carreau. Là, des pièces. Projecteur du pont-levis. Alors, je passe par où? Les démembrements. Merci, Jetuels. Effectivement, les démembrements, ça donne ce petit charme romantique. Ça m'ennuie parce que je sais pas où. Hein? Quoi? Hein quoi? T'es où? Qui c'est qui a fait un? Oh merde, ils sont 3 là. Qu'est-ce que je fais? Je fais carreau, carreau, carreau. Il faut pas qu'il sonne l'alerte à l'autre. Ah! Bah non, les gars! Oh non, je suis encore mort! Longé en bas à gauche. Attends, en à gauche, ok. On va longer en bas à gauche. Bon, j'ai essayé de voir si je pouvais éviter que le mec il tire la sonnette d'alarme. C'est pas possible. Donc, on va y aller comme tu dis. On va longer à gauche. Alors, à gauche, on descend par où? On descend par là. Alors là, est-ce qu'on peut y aller ici? Oui. Ah, merde. Là, on peut y aller ou pas là? Alors là, c'est pas bon par là. C'est pas bon parce que là, il y a tout le monde qui est ici. Et là, comment ça l'escalier? Quel escalier?
Non, mais là, si je monte l'escalier, je me retrouve face à tous les baddies qui sont là, là. Alors, les planches, normalement, ça se casse. Ensuite. Au-dessus. Où ça, au-dessus? Merde. Sur le muret, ici, là? Qui est en face? Bon là j'ai éteint la sonnerie. Pourquoi je vois tout en rouge là? Bon là, normalement, il n'y a plus leur grosse machine électrique là, c'est ça? On va quand même voir s'il n'y a pas un truc à récupérer ici. Pistolet, j'en ai déjà un. Bon, ça a l'air de s'être calmé quand même là. Donc c'était pas vraiment la bonne approche. C'était pas la bonne approche, hein. Ça on est d'accord. Mais on est passé quand même. Donc là maintenant l'histoire c'est quoi? L'histoire c'est de sauvegarder. Ouais. Écrasé, oui. On s'en fout. Ah ouais, l'huile comme grenade, ça c'est assez efficace, ouais. Du coup, tous. Alors, c'est de là que je viens, hein. Il est de quel côté? Il est où? Bon, il y a quelqu'un qui tousse là. Carrément là, dans mon...
Il est où? Les clés du pont-levis. Élixir de santé. Un peu monté encore. Bah attends, parce que là, il y a des passages. Il y a un truc en bois qu'on peut casser. On va continuer à monter. Allez, pas de course. Dans la finesse. Alors. Drawbridge Control. Allons. Qu'est-ce que ça va faire? C'est le pont-levis qui monte. Ok. Et pourquoi? Je suis perdu. Ça va où ça? Là ça descend. Ok, ça descend tout en bas. C'était ça qu'il fallait faire? Il y avait plein de passages, on pouvait passer par les chaînes. Alors, est-ce qu'il fallait que je le baisse ou que je le monte, le pont-levis? J'ai pas compris. Monter le pont et grimper dessus. D'accord. Bah maintenant, je me suis mis dans une drôle de position, là. D'accord, là il faut sauter dessus. Et je vais arriver où? Bon, c'est très joli, hein, mais... Ah! Merde. Ah, c'est les mecs qui sont en dessous, d'accord, ok. Merde. Alors ça, c'est le même pont-levis, là. Hein. Ouais. Ouais, voilà. Au forceps, ça, j'y arrive. Donc, du coup... Mais... Les voix sont beaucoup... Les voix sont beaucoup trop près. Bon,
J'ai plus de carreaux. Et voilà. Mais c'est pas possible ça. Alors, c'est où? Ces phares de machin là. Ah oui, il faut que je remonte là-haut. D'accord, ok. 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 Bien entendu. Boum. Bon, moi j'ai envie de dire voilà, ça c'est une affaire rondement menée. Alors maintenant, je sais pas où aller en revanche. Il y a quelques badises. Mais là, je vais me faire mal là si je tombe. Au mieux. Et là, j'ai plus d'objectif. Je suis laissé à moi-même. Ouais, mais si je blink de trop loin, ça va pas blinker. Je peux là? Ah! Bon, là, on peut se reposer. Alors. Déshonoré par l'adresse. Alors. Du coup. Merci, Calariel, pour ton 23e mois d'abonnement. Dis donc, c'est drôlement chic. Vous pouvez pas me voir, je suis caché. D'accord? Je bois un coup de flotte. Bon. Je voulais qu'on se fasse un coup d'inventaire, là, mais je retrouve plus la... Je retrouve plus la touche. C'est pas T. Bon, je crois qu'ils sont tous à l'ouest. On peut y aller. Aller à Midro Substation. Ouais. Salut Aksaba Gaming. Yukai. Mais non, mais il y avait une touche rapide pour aller à l'inventaire. Et elle a dû disparaître. Je croyais que c'était I, comme Inventory. Et apparemment, non. Alors le cœur, c'est 6.
Ah bah oui, il y en a une juste devant. Parce que là on a plein de runes. Il faudrait qu'on les dépense. Merci Julala. avec la bonne touche, finalement. Combien a-t-on de runes? Nous avons 4 runes. Tu joues avec les touches fléchées. Ah mais t'es vraiment gaucher, courgette. Ou gauchère. Possession. Permet de prendre le contrôle d'un animal pendant un court moment. Pli temporel, ralentit le temps. Nuée vorace, invoque une nuée de rats qui attaqueront toutes les personnes à proximité. Ou rafale. Alors. Comme à chaque fois, qu'est-ce qu'on prend? Bah tu vois que ça va, je joue plutôt en mode... si t'es devant moi, tu vas prendre un coup d'épée. Tu vois ça par exemple, je m'en fous ça. Agilité, sauter plus haut, subir moins de dégâts. Ouais, ça peut m'intéresser. Possession. C'est dommage parce que... En fait, j'aimerais pouvoir faire l'expérience du truc avant de claquer mes runes. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Plus temporel, je m'en fous. Bon allez, nuée vorace, c'est combien? 3 runes. On achète. Je sais, vous allez me juger, mais c'est pas grave. Allez. Voir initiation. Ah voilà, d'accord, ok. Nous avons une rune, et bah on peut rien faire. Et charme d'os, on en a récupéré plein, mais on n'a pas assez. Ouais, c'est ça, on a 10 slots, on a déjà 10 charmes. Je pense que quand on va revenir au camp de base, là, il va falloir faire du ménage dans les. On va faire du ménage dans l'inventaire. À mon avis, je vais tomber quand même sur des malades hein, là. Ça a l'air quand même pas très salubre tout ça. Note de musique. Et ça, la musique des origines. Donc là, on est chez un mélomane, hein, quand même. Bien. Alors, en face, si vous avez vu, il y a quelqu'un. Je pense qu'on peut lui sauter dessus direct. Hein. Merde. Ah, mais ils sont pleins en bas, là. Je ne laisserai jamais les pardonner. Quoi? Les roues? Ouais, elles tournent et tournent encore, comme le cycle de la vie. Une magistrale incarnation des progrès de l'industrie et des élus. Si c'est vous qui le dites, monsieur... Et n'oublie pas, soldat. Elles doivent continuer à tourner. Ça détonnerait seulement dans ton dossier. Et c'est peu de le dire. Je vais vous trouver. Bah. Je sais que vous êtes là quelque part, ordure. Bah oui, je sais que tu sais. Mais tu sais pas où. Puis ordure, c'est pas très sympathique hein, quand même. Ouvrez les yeux.
vais vous faire sortir. C'est pas mal ça quand même. Je sais que vous êtes dans le coin. C'est complètement pété. Bon, nous on va aller là-bas. Voyons ce qui se produit si je donne un coup. Ça, ce pouvoir de télétransportation là, c'est quand même pas mal. Hein. Mais alors, je pense à ceux qui ont fait les level design. Parce qu'il y a des endroits où on veut que le joueur il aille, et il y a des endroits où on veut pas qu'il aille. Mais avec ça, tu dis, potentiellement le joueur il peut aller n'importe où. Ah, oh, il y a quelqu'un sur le bateau, non? Alors. Après, je sais pas si je peux remonter ici. Alors, la nuée de rats, c'est où? C'est 6. Ah non, ça c'est le cœur, ça. Le rat, c'est 9. D'accord, ok. Et on peut pas se télétransporter dans les arcs électriques. Donc il faut qu'on arrive à éteindre tout ça. Faut qu'on arrive à éteindre tout ça. Bon. Donc l'autre, déjà, je vais le trucider. Est-ce que je descends? Alors il y en a encore un ici parce qu'il tire sur les rats. Bon, on va y aller, hein. Il est où le mec qui fait... Si rien, je vais obtenir une autre promotion. D'accord, lui il y en a un au-dessus là, d'accord, ok. C'est que ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je suis tombé sur quoi? Je sais pas ce que c'était, mais...
Un truc dégueu. On peut lui tirer dessus ? Comment je vais faire ? Non mais ça c'est de l'anesthésique, Denis, on s'en fout ça. Ça c'est un piège machin. Je sais pas du tout ce que c'était. Ça m'ennuie parce que j'aimerais bien savoir. On peut pas savoir avec le cœur. C'est quoi le cœur, c'est ça? Non. Alors, je lis mon chat. En tuant la réclure, tu récupères une perle. Alors, je fais comment pour la tuer? Un coup de fusil? Moi je peux. Là, je suis bien caché. Mais il y a une autre truc de... Je sais que vous êtes là. Ah mais s'il descend, lui aussi, il va se faire niaquer par la... Ah, voilà. Attends. Je sais que vous êtes là quelque part, ordure. Attends, je me suis fait schmout là pour 50 pièces. En gros, j'ai risqué ma vie, quoi. Bon, alors ensuite... Ensuite. Rien de tout ça ne serait arrivé si ce fou de Corvo n'avait pas tué l'impératrice. J'aimerais bien monter là-haut. C'est ça en fait qu'il faut faire. C'est C'est que ce bruit. Ah, c'est des rats. D'accord, ok. Y a rien à fouiller là dans cette maison ? Non ? Non. Allez, c'est parti. Ah oui, donc il fallait que j'arrête les roues. C'était pour passer au travers. Pour ouvrir ça. Oh,
reprogrammer. Ce portail foudroyant se déclenchera au passage de vos ennemis. Il n'y a rien à récupérer. Il y a une rune dans la maison. Il y a un serpent dans ma botte. Il n'y a jamais rien dans ces poubelles là. C'est fait pour qu'on se cache, pour qu'on s'y cache, c'est ça? Bon là, j'ai tout fait comme on m'a dit, j'ai plus qu'à aller chez le docteur. Aller à l'extrémité nord, oui. J'en ai récupéré deux sur ce niveau. Sur 5. En tout cas, chapeau pour l'ambiance, parce que je me régale. Vraiment, c'est... Là, on peut passer en bas. Là, on peut passer en haut. Ah ben là, on peut pas. Ah, allez, peut-être aller sur le toit. Oui. Sa maison, elle est là. Bon, ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Encore un portail. Super. Deux c'est bien, tonton Yo-Yo, mais 5 c'est mieux. Pourquoi j'irais m'inquiéter pour une morte de rat ? La vermine mérite d'être exterminée. Je devrais plutôt m'occuper de ces bruits qui viennent de l'entrepôt. Hein. Enfin. Et c'est louche. Vous croyez pas ? Qu'est-ce qui est louche ? Je préfère ça. Tire à loin, Grèce. Comment ai-je pu y échapper ? Tous les autres ont attrapé la maladie. C'est mieux comme ça le son Aksaba. Et qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse au juste? Vous ne comprenez pas. On va mourir. Ce taré de Sokolov va nous faire subir des expériences. Et on sent qu'on s'échappe. Chut, pas si fort. Ah, si vous avez un plan, ça me plairait. Je vais vous trouver. Si ce n'est pas le cas, vous serez en fait 4. Vous restez accroché. Bon, du coup, il y a beaucoup moins de monde là. Alors, eux, c'est des gentils et ils sont en bonne santé. Est-ce que c'est gardé avec plein de gardes ou bof? Il y en a un là-haut, là.
Il y a des réservoirs de d'huile de baleine. Il y a comme un petit poste de garde. Là, on peut pas passer. Mais est-ce que je vais les libérer, les prisonniers ? Je ne sais pas, moi. Bon, allez. On va les libérer. J'ignore qui vous êtes ou pourquoi vous avez fait ça, mais écoutez. Tout près, il y a un bâtiment presque effondré. Dans ce qui reste du deuxième étage, vous trouverez un tableau. Je travaillais là-bas. Derrière le tableau, il y a un coffre. Le code, c'est 294. Examinez le coffre. 294. C'est pas celui qu'on a déjà fait ? Merci, Princesse Pharmacie, de t'être réabonnée. Il y a 15 minutes. Et Romuald aussi, qui s'est abonné. Et Jalonimo également, qui s'est réabonné. Merci, mais dites donc. En plus, il a mis un petit message dans son abonnement. Il a dit, vous êtes les meilleurs. C'est adorable. Attends, il n'y a pas un truc... Ils ont pas laissé un truc ici. Non, ils étaient en prison, donc... Bon. Les cadavres, est-ce qu'on peut les fouiller ? Ah oui. Ah oui, parce que les pièces... Ça brûle pas. Donc je ne sais pas par où passer. Il y avait un... Attendez. Il y avait un passage ici. Non. Ah, c'est là que ça aurait été utile d'être un rat pour qu'on puisse passer en dessous. En même temps, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose là-dedans. Bon, on va faire comme on a dit. On va faire comme on a dit. Un petit coup sur l'heure. 15h09. Bon, là, il y a un portail. Ce soir avec du whisky et des cigares. N'en ai jamais douté. Donc là, on ne peut pas passer. On peut passer par là. Réponse oui. Mais je croyais que j'avais des carreaux anesthésiants, moi, mais j'en ai plus. Ah, j'ai plus de carreaux du tout. En revanche... J'ai des rats. Ça, c'est pas mal comme arme à distance. Qui lui a tiré dessus ? Si je vais ici, je vais me faire trucider, non ? On essaye ? On sauvegarde, on essaye.
Quand j'étais petit. Quand j'étais petit, les jeux étaient vachement plus durs qu'aujourd'hui. On sauvegardait en permanence. C'est les verts et les bleus, c'est. D'accord, ok. Salut Morgul. Salut Myrdin le fou. Il est où ce Lokov? Pourquoi il y a une musique un peu stressante? Je referme la porte. Merde! Alors on peut pas utiliser la magie. On peut pas utiliser la magie parce que... charge est partie. C'est laquelle? On est le 14. 15h12. C'est 15h12. Oui, c'est ça. Voulez-vous charger cette partie? Oui. Ah, j'étais grillé. Ah, ça me plaît beaucoup, mais... Ça me plaît beaucoup, mais l'ascenseur, il est en haut. Comment est-ce qu'on fait pour l'appeler? Un bouton? Non. Ils sont nombreux quand même, hein. Quand le mec joue de l'accordéon. Déjà fatigué? Quoi maintenant? Autant utiliser la magie avant qu'il me la désactive. Comment ça, il y a un rôdeur en liberté? T'as rien vu? Tu m'as pas vu? Oh,
C'est rigolo, les rats. Alors j'ai plus de nuée vorace. Et je ne sais pas pourquoi. En tout cas, il y a plein de baddies ici. Hein. Bien caché. Je dois garder cet emploi. Il dit d'apporter une bouteille, je la porte. Il dit d'apporter à manger, j'en apporte. Il dit de me déshabiller. J'ai pas compris. J'ai pas tout compris le gameplay. Pas passer par le hall. On va essayer de voir où ça nous mène, ça. Ouais. Pas si c'était super super. Est-ce que je sauvegarderai pas là parce que j'ai quand même fait un peu le ménage là. Non? Il y a un autre garde là-bas. Il y en a un en haut de l'escalier, si ma mémoire est bonne. Alors ensuite. On va garder ça avec moi. Pour l'utiliser comme projectile.
été abandonné au crapule. What? Bon, alors là, je passe pas parce qu'il y a un truc électrique. Mais on peut passer sur le côté, là. Je lui avais dit de garder les enfants à l'intérieur. Je lui avais dit. J'ai entendu quelque chose. Non! Personne ne peut m'aider! Je peux pas lui parler? De la baleine. Attendez. Passer au-dessus là. On aurait pu passer par le bas aussi. Il n'y a plus grand monde, hein. Il n'y a plus personne même. Alors il est où ? On me dit qu'il y a un coffre caché, mais... Salut Pascal Brutal ! L'autre avait appelé la garde. Tartelette aux abricots. J'ai pas besoin de vie, mais je vais le manger quand même. Avec du pain. Bien. Tout ça nous dit pas où est-ce qu'on doit aller. Là, les portiques qui sont désactivés. Là, il y a encore un escalier là que j'ai pas encore. Il est où ce docteur là? Dans toi. Hey ah. Ça passe pas par ici. Il y a une vitre. Ah oui. Est-ce qu'on était censé passer par ici? Remplir un réservoir vide? Non. Pourquoi je suis crouch, moi? Ok. Ok. Bon, il est où? Il est où, Doc Gynéco, là? On finit pas, ce truc-là. L'espoir repose à présent sur la formule 25. D'après le dernier aligne. Quoi? Oh, la tête! Aux gardes. Votre tatouage est bien singulier. Il me rappelle les inscriptions que j'ai vues dans la grotte, loin de la ville.
Qui vous envoie ? Pierrot ? Ce vieux jaloux. Pas besoin d'être son chien de garde. Vous et moi pouvons trouver un arrangement. Et je suis sûr qu'il vous plairait mieux que tout ce que... Et nous célébrons la sortie hier du dernier jeu d'Arkane. 10 ans après. Que voulez-vous ? De l'argent ? Un élixir contre la peste ? J'ignore comment vous êtes arrivé jusqu'à moi. Mais je suppose que si vous vouliez me supprimer, eh bien nous n'en serions déjà plus à discuter. Je vous donnerai tout ce que vous pouvez désirer si vous m'épargnez. Si vous êtes un homme sensé, comme je le crois... Vous n'êtes pas sans savoir à quoi vous vous exposez en me menaçant. Oui, il y a une rune. Je suis le médecin royal, directeur de l'Académie de philosophie naturelle. Reculez ! N'avez-vous pas de cœur ? Je vous en prie. 4 sur 5. Attendez rien qu'un instant. Il doit bien y avoir moyen de s'arranger. J'ignore qui vous a envoyé, mais quoi qu'on vous ait offert, je paierai le double. Le triple. Mais non. Non ? Non. Eh bien, l'argent n'est pas la seule chose que j'ai en abondance. Dites-moi ce que je dois faire pour vous convaincre. Vous êtes un homme résolu, je vois. N'y a-t-il rien que je puisse vous offrir ? Un petit café ? Alors, les élixirs de... Que voulez-vous ? De l'argent ? Un élixir contre la peste ? J'ignore comment vous êtes arrivé jusqu'à moi. Mais je suppose que si vous vouliez me supprimer, eh bien, nous n'en serions déjà plus à discuter. Je vous donnerai tout ce que vous pouvez désirer. D'accord. Si vous... Et comment est-ce qu'on l'enlève ? Si vous êtes un homme sensé, comme je le crois, vous n'êtes pas sans savoir à quoi vous vous exposez en me menaçant. Je suis le médecin royal, directeur de l'Académie de philosophie naturelle. Reculez ! Un café ? N'avez-vous pas de cœur ? Je vous en prie. Mince ! J'ai besoin d'aide ! Vite ! Eh ? À l'aide ! Eh ? Quelqu'un ! Aidez-moi ! Je sais que vous êtes là. À l'aide ! Aidez-moi ! Non, je... Et voilà. F, c'est quoi ? Clé de la maison. Ok. Mais attends. Pourquoi veux-tu que je l'assomme ? À l'aide ! Non ! Non ! Non ! Ah ! Il faut que je l'étourdisse ? Ok, et maintenant je repars par où ? Ah. Merde ! Il faut de l'huile de baleine. Si, ouais, t'as raison. On va le poser là. J'entends quelqu'un siffler là. C'est quelqu'un qui passe dans le couloir. Que là, il y a des trucs.
Ça, c'est qui? Merci. Qui que vous soyez. Sujet 312. Salut, Franck. La douleur est insupportable. Je vais me cacher dans un coin en attendant d'aller mieux. Bon, là, il n'y a rien d'autre à faire. Elle s'est vraiment cachée dans un coin, d'accord. Donc le jeu veut absolument que j'aille à ce coffre caché. Là, il y a quoi là-dedans ? Ah non, je suis équipé en rat, là. Ah, c'était le plan de tout à l'heure, ça. Est-ce qu'il y avait des bonbonnes Ouais, j'ai sauvé quelqu'un. Bon. Sakharov, là, il est en train de roupiller. Là, il n'y a personne dans le couloir. Ben, on va le descendre. C'est ça. C'est une bouteille. Bah je sais pas, est-ce que je peux le descendre par là? Je peux le descendre par l'escalier, hein. J'ai désactivé tous les portails. Alors, spontanément, alors c'est pas les mêmes générations hein, de jeux, clairement. Je pense que tout ce qui est pouvoir, etc., dans Dishonored, c'est plus lisible. Mais les deux sont tout aussi fouillés en termes de détails, de la complexité du level design, le nombre de chemins qu'on peut emprunter par exemple. J'avais pas un coffre caché à les récupérer. Il est où Samuel? 39 mètres. On a tout fait comme il a dit, hein, t'as vu? Non, alors celui-là on l'a pas. On n'a pas de petit câblage? C'est pas grave. Pourquoi est-ce que je peux pas retirer? Tirer dedans. Un gros pépère, une seconde. Voilà. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on garde dans la main? On a plus de carreaux. On a plus de carreaux.
Pourquoi est-ce qu'il me dit que j'ai encore 5 carreaux Ah, ok. Et là, on pépère. Voilà. Des carreaux en esthésion, ça fera la blague. Si je croise quelqu'un, pif paf pouf. Déployez-vous, on dirait qu'il y a du rage. Il est où Jean-Jean? Il est plus bas. Où est-ce qu'on descend? On descend par là? Je peux pas courir avec le vieux sur le dos là. Le médecin royal en personne. Eh ouais mon gars. Tire mon chapeau. Tu Allez-y. Peux. Attendez, je dois me préparer. Pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Alors, c'est vrai, Fran, il y a un truc dans Prey qui est... Enfin, que moi, j'ai pas... j'ai pas capté. Enfin, j'ai pas capté. J'ai pas apprécié. Au sens premier du terme. C'est... Tout ce qui était microgravité, j'avais du mal un peu à me déplacer, que ce soit dans l'espace ou dans ce couloir central là. Et même si la station est assez grande, il y a des allers-retours qui prennent 3 plombes. Et Rune trouvait 4 sur 5, hein, les amis. Et on a de la caillasse. À libérer les cobayes de Solokov, à dévaliser le coffre de Pratchett. Chaos général, élevé. Très bien, aucune victime. Voilà. Je dis ça, c'est rondement mené. Je peux pas dire que j'ai préféré, que je préfère l'un ou l'autre, sincèrement. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé Prey. Bon, y a un gros côté BioShock, hein. Mais même dans... Avec des chaînes et tout. Même dans Dishonored, hein. Ça m'a dû faire un choc de se réveiller dans la paille et la crotte de chien. Je me suis laissé dire qu'il avait connu pire. Comme nous tous, d'ailleurs. Moi, je le fais pas pour, pour la difficulté. Moi, je le fais pour l'aventure, toutes les petits puzzles, les machins, les trucs. Bah ouais. Bien joué, Corpo, bien joué. Je doute qu'une douzaine d'hommes auraient fait mieux. Sokolov a des infos qui nous permettront de frapper le Lord Régent directement et ensuite de laver votre nom. Bientôt, nous n'aurons plus à nous cacher. Le médecin royal est brillant, mais il a fait l'erreur de protéger le Lord Régent. Sokolov nous a donné l'élixir, les machines de guerre. Il aurait pu faire de nous une grande nation. Il paie le prix de son allégeance envers un tyran. Je vous remercie. Bon, on va peut-être enchaîner avec Dishonored 2, hein, si on passe pas 15 ans sur le 1. Alors attends, un peu de sommeil, ça veut dire qu'on va se réveiller le lendemain matin. Corvo, réveille-toi. Tu faisais des grimaces dans ton sommeil. J'ai décidé de faire ma sieste dans ta chambre pendant que Calista prenait son bain. Elle m'a dit de venir ici en cas de danger. Bonjour, princesse. Calista viendra me chercher une fois sortie de son bain. Merci, Corvo. Je me sens déjà mieux.
Le journal de Mamie Chiffon. C'est comme ça qu'on appelle Yvan à la rédac. Vous le dites pas. Ça reste entre nous. Mamie Chiffon. Bon, elle lit là. Est-ce qu'on va voir notre ami qui fabrique des armes? Où est ce toit? Il est où ce Lokov? Saluons leur choix. Ah. La danse d'investiture aura lieu dans les meilleurs délais. Je sais ce que vous pensez. J'essaie de créer un nouveau type de serrure. En forme de flocon. Bon, à la vérité, une gorge de cette forme, c'est absurde. En fait, j'espionnais par la serrure. Ah. Je ne supporterai pas qu'elle la prenne. Je sais que vous êtes un homme d'honneur. Et aussi que vous pourriez me tuer quand ça vous chante. Pour toutes ces raisons, je vous demande pardon et vous supplie de ne rien lui dire. C'est mamie ça? C'est mamie machin? Bon, il est où Molotov là? Ah mais on peut aller la voir. Mamie Chiffon, tu l'as manqué, pourquoi? Votre attention, citoyen de Dunwall. Vous ne voyez pas que je vais prendre un bain? Si. Je peux vous tenir compagnie si vous voulez. Non mais attendez les gars. Je comprends, c'était un accident. Difficile de s'offrir un peu d'intimité avec tout ce monde, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. En respectant la propriété et les droits de chacun. Et en préservant l'éternelle beauté de notre cité. Je referme la porte parce que je suis un mec bien. Bon, alors Molokov, il est où? Et par là. Let's go. Let's go les petits amis. Allez, encore. Lord Puddleton, on s'en fout. Monsieur Sokolov, j'ai cru comprendre que vous aviez déjà rencontré Corvo. Bah oui, je suis là. Notre ami a su rester loyal. Je ne dois loyauté qu'à ma conscience. C'est vous qui complotez avec l'homme le plus recherché de tout l'Empire. Je crois pour ma part que Corvo n'a pas assassiné l'impératrice. Et que l'ancien maître espion, celui qui se fait appeler Lord Régent, est un tyran sanguinaire prêt à tout pour détruire cette ville. Le cœur de l'Empire. Si vous croyez que j'admire notre Lord Régent, vous vous trompez lourdement. Vous vous trompez lourdement. Quoi que vous cherchiez à obtenir de moi, il faudra plus que des menaces en l'air. Je ne vous effraie pas. Soit, mais c'est rare. Sans même parler de la peste, on m'a rapporté qu'un groupe de rats avait dévoré un enfant jusqu'à l'os en moins de 30 secondes. Et encore, combien de temps pensez-vous tenir avant de parler, avant de nous supplier? Des rats? Des rats? Eux, vos compagnons de route, amiral? Ce sont vos compagnons à vous qui nous intéressent, Sokolov. Je peux pas trop monter, Néo, hein. Je suis désolé, mais... Celle-là même qui finance l'appareil militaire grâce à sa fortune. Est-ce que moi, tu m'entends bien? Le Lord Régent n'aurait aucune autorité. Ça, c'est important. Il nous faut son nom. Je regrette, amiral. Je ne peux pas vous aider. Bon, là, il y a un gros machin rouge qui me tend les bras. Volant d'ouverture, ça ouvre le truc à rats, c'est ça? Extrait d'un guide de dressage canin. Ok. Bah attends, parce que d'abord, avant de... On va regarder un petit peu ce qui se passe là-haut.
Alors, il y a un trou là, il y a une trappe. Au fond de sa cage, il y a une trappe. C'est que ça. Du minerai. C'est pas rangé leur truc, hein. Ils ont rien rangé dans ce jeu. C'est un peu le foutoir. C'est que ça. Des plantes médicinales, qu'est-ce que ça fout là? Et du minerai. Bon d'accord, moi je suis pour qu'on utilise ce petit levier là. Est-ce que j'ai des pouvoirs à débloquer? Si si. Ah, c'est la petite trappe qui est là. Ah mec, dès que je le lâche, ça se referme. Ah, faut peut-être aller lui parler. Vous faites partie de cette vermine, mais je sais que vous avez vos raisons. En effet, il nous faut le nom de la maîtresse du Lord Régent, c'est tout simple. Je refuse de vous répondre. Je refuse. Vous devrez me faire parler de force, mais je vous préviens, ma volonté est légendaire. Je regrette, Sokolov. Non. Pas des gras. Arrêtez. Arrêtez. Je vous dirai ce que vous voulez. J'ai pour mission de protéger la plus grande intelligente d'Unroll. Je ne peux pas vous en dire plus. Je ne connais ni son visage, ni son nom complet. Elle se faisait appeler Lady Boyle. Vous voyez, j'ai fait un portrait d'elle de dos. Je vous assure que même sous cet angle, elle a fière allure. Mais j'ignore de quel Boyle il s'agit. Il était prévu qu'on me la présente lors d'un bal masqué en son honneur ce soir. Sa volonté est légendaire, semble-t-il. Trois rats et hop. Le domaine Boyle, ce soir, le moment est parfaitement choisi. Il se met à chanter Boyle, comme Zizi Jeanmaire. La sécurité sera renforcée. Bien sûr, vous avez déjà un masque. N'est-ce pas, Corvo? C'est vrai. Vous vous fondrez facilement dans la foule une fois à l'intérieur. Vous devrez découvrir laquelle des Boyle est liée au Lord Régent. Et la capturer de la façon dont vous pourrez. On touche au but. Corvo, si vous réussissez, nous pourrons attaquer le Lord Régent en personne et mettre Emily sur le trône. Puissent les vents vous guider. Puissent les vents vous guider? Ah, il faut assassiner Lady Boyle. Bah, ce que je propose, qu'à chaque fois qu'on croise une nana qui s'appelle Boyle, vous serez à la petite sauterelle. On la trucide. J'ai une faveur, on ne peut plus modeste, à vous demander. Pourriez-vous remettre ce mot à Lord Shaw? Vous le reconnaîtrez, un homme plutôt brusque, avec un masque de loup. En fait, il me cherchera peut-être. L'agent Smith. Salut, Vilou. Sévère, mais juste. C'est comme au rugby. Viril, mais correct. On a 10 minutes. 10 minutes, on va pas commencer la quête. Tu as déjà vu une bataille navale? Bien sûr. Bien sûr. Des dizaines. Dis donc, Pierrot. Vous avez besoin de mes services particuliers? Bah oui. Ma boutique n'est pas très loin d'ici. Montrez-moi ce que vous avez. Un plan que vous avez apporté à Pierrot débloque cette amélioration. Botte furtive 1. Ok. En plus, moi, le furtif, c'est un peu ma passion. Tu vois, c'est le truc que je... Nous avons 1700... C'est pas une petite quête en plus, merde, tu dis? Alors.
Amélioration. On peut mettre que 10 runes. Attends, réserve de spirale, réserve de grenade, réserve de balle. Botte furtive 450, on s'en fout ça. Portée de spirale. C'est où les slots ? Précision d'arbalète, portée d'arbalète. Ça, on en a déjà. On a 9 sur 10. Où est-ce qu'on peut... Je me rappelle plus où sont les slots. Bon, on va prendre des carreaux d'arbalète. Allez, claque sa thune. Carreau anesthésiant. Grenade, on en a plein. 2 sur 10. Ouais, on s'en fout. Attends, est-ce qu'il y a une amélioration qu'il nous faut? Vous arrêtez de vous moquer, hein. Réserve de balles, verre pour masser, on s'en fout. Réserve de grenade, on s'en fout. J'ai même jamais utilisé de grenade dans ce jeu pour l'instant. Faire croiser, ça m'intéresse plus parce qu'on se bat quand même pas mal à l'épée. Voulez-vous acheter faire croiser? Allez. Bah forcément, on a beaucoup moins d'argent maintenant. On est bon. On va prendre un engin de câblage. Ou deux. Et puis quelques carreaux anesthésiants. Voilà. Bon, là, on peut plus rien acheter. Là non plus. Super. Là, on a fait le plein, j'ai envie de dire. On doit tout acheter dans ce jeu. Il est quelle heure? Il est 54. Voilà. On est prêt à partir pour notre prochaine quête. On va l'initier. Comme ça va faire une sauvegarde. Au revoir, Hound Pits. Vous devriez passer voir Pierrot avant de faire voile pour le grand bal. Histoire de faire le plein de potions et de flèches, ou je ne sais quoi d'autre. Ça y est, c'est fait. Le bal masqué des Boyle. Ce sera plaisant, mais pas pour tout le monde. Ah bah, surtout pas pour toutes les femmes qui s'appellent Boyle. Bim! J'adore les fêtes déguisées. J'en ai une dans 2 semaines. Ah mince, le Lord Régent a déballé le grand jeu pour la famille Boyle. Je pensais pas qu'il irait jusqu'à poster des Tall Boys. Faites gaffe, Corbeau. Ils plaisantent pas, ceux-là. L'avantage quand vous serez à la fête, c'est que vous passerez inaperçu avec ce masque. Amusez-vous bien avec tout ce joli... Qu'est-ce que c'est, les Tall Boys? Je ne vous envie pas. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? On va se le garder pour la semaine prochaine. Alors, je vois à peu près ce que c'est, mais je sais pas... Citoyens,
quitter les lieux. À la demande des propriétaires, cette zone est actuellement réservée aux invités. Tout visiteur important sera expulsé ou arrêté immédiatement. Et moi, je suis invité, moi. J'ai un masque. Mais les génières, c'est pas des zombies, pourquoi est-ce qu'ils te courent après ? Ferme la porte. Il va falloir que je retourne travailler. Mais là, c'est trop bien cette ambiance-là. C'est le niveau du bal masqué, ouais. C'est fermé. Les charmes d'os, maintenant, il me les met bien en évidence parce que le jeu, il a compris que... c'était pas mon fort, ça. Alors. On peut marcher sur le rebord, là ? Ah ouais. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on se débarrasse de l'épée ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on n'a pas d'armes dans les mains ? C'est zéro ? Non. Vous pensez avoir votre propre équipe après ce qui s'est passé cette nuit ? Oui, bien sûr. Le bouton qui te permet de taper. Maintenir F, merci. Étouffer un ennemi pour lui faire perdre connaissance. Bah oui, mais ça, on sait déjà ça. Ah, il est 16h, mon dieu! Oh là là! Regardez ça, une fontaine de chocolat. Et un poisson géant. C'est que les rats sont arrivés 6 mois avant que l'on perde l'impératrice. La peste aussi. Vraiment? Ce n'est pas ce dont je me souviens. La mort de l'impératrice n'a rien à y voir. Alors, il paraît qu'il y a un mec qui a un masque de loup. Tenez votre langue. Je n'ai rien à redire du... Excusez-moi un instant. Fontaine de mousseux. Peut-être pas... Ça va mal. Est-ce que l'état de la ville peut pas encore... Pas d'invité ici. Il y a de bonnes chances. Je crois que je joue pas très bien. Bienvenue à ma fête.
C'est votre première fois, il me semble. Le mec était dehors. Quel masque, dites-moi. On vous a invité. Je sais pourquoi vous êtes là. Nous devons parler en privé. Je suis un ami de Pendleton et j'ai parfois servi votre cause. Je sais ce qui vous amène ici et, comment dire, votre cible est la femme que j'aime. Merci, Casse d'Orset. Si vous l'amenez saine et sauve, merci pour ton abonnement. Jamais parlé d'elle. Il y a une cave en contrebas de la cuisine. Ah. J'attendrai là. Bon, il va falloir s'en rappeler pour la semaine prochaine. Parce que là. C'est mieux que de la laisser assassiner. Elle s'appelle Esma. Je ne lui ferai aucun mal. Vous avez ma parole. Ok. Conduisez-la à la cave et je l'emmènerai en lieu sûr. Pour toujours. Pour toujours. Cidre de cristal. Bien. Donc on va s'arrêter comme ça. Attention, Myrdin. Attention. Très important ça. Très important de s'arrêter au feu rouge. Très important pour la santé. Bien. Hop. Pif paf pouf. Regardez, il est 16h03. On a gagné. Enfin, on a gagné. On n'a pas exactement gagné. Mais c'est drôlement bien. C'est drôlement bien ce jeu. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, mardi, pour un petit stream. Sachant qu'il va y avoir une coupure, parce que je suis ravi, figurez-vous, je repars faire un salon dans 2 semaines à Lille, qui s'appelle le Game Camp, un salon avec, avec un demi-millier de développeurs. Ça va sentir un peu la transpi, mais ça fait tellement longtemps, on a hâte. Ah oui, samedi. Alors, Daz, Daz, c'est super sympa, mais on partait. Donc, du coup, on va aider qui avec tout ce beau monde. On ne sait pas. On ne sait pas. On va regarder qui. Eh ben, il y a Atomium. Voilà, ça va être encore Atomium qui joue Deathloop. D'ailleurs, 10 ans après Dishonored, Deathloop, c'est effectivement prêt au décollage, les amis. On va chez Atomium. Alors, si ma mémoire est bonne, / red, espace, Atomium, M-I-U-M. On est prêt ? On est prêt ? On n'est pas prêt ? On n'est pas prêt ? Toi là-bas, au fond, t'es prêt ? Ok. Moi, je vous dis à mardi prochain, surtout. Et soyez prudents et arrêtez-vous au feu rouge si vous roulez en vélo, c'est important. Et hop là. C'est parti mon kiki. Et je l'ai fait l'annonce vélo.